Avant l'intervention, un essai du véhicule est obligatoire pour détecter les éventuels problèmes de la boîte de vitesse. Tout d'abord, placez le véhicule sur le pont pour l'élever. Démontez ensuite les protections sous moteur pour accéder au point de branchement. Le point de branchement varie selon le véhicule. Cela peut être l'échangeur de chaleur, comme ici, ou les durites d'huile. Rapprochez la machine Motulevo de votre poste de travail. Allumez la machine et la tablette. Lancez l'application AutoDB. Attention, la tablette doit être connectée en Wi-Fi. Sélectionnez le véhicule en cliquant sur Opération, puis sur Base de données. La recherche s'effectue dans l'ordre suivant: par marque, par modèle, par motorisation. Cliquez sur « Huile » pour identifier le bon produit à utiliser. Placez le jerrycan neuf à l'emplacement « New Oil », puis le branchez à l'aide du raccord rapide. Cliquez sur « Pièces ». Assurez-vous de disposer du bon filtre ou de la bonne crépine. Cliquez sur « Révision » pour accéder à la procédure de branchement des raccords. Faites défiler la procédure afin d'identifier les raccords à utiliser. La mallette Basic Kit couvre 70% du parc auto. Mallette Expert Kit. La mallette Expert Kit couvre 25% du parc auto. Elle est composée de raccords spécifiques qui viendront se brancher en lieu et place des échangeurs de chaleur. Prenez les raccords indiqués dans la procédure de branchement. Branchez les raccords sur le véhicule. Branchez les tuyaux de l'ATM 0918 sur les raccords du véhicule. La machine détecte le sens du flux automatiquement. Il n'y a donc pas de sens de branchement pour les tuyaux. Une fois les branchements terminés, cliquez sur « Opération ». Si vous souhaitez ajouter du Transmission Clean lors du nettoyage, sélectionnez la case. Appuyez sur « Start » pour démarrer la procédure automatique. Appuyez sur « OK » pour que la tablette se connecte avec l'ATM 0918. Une fois que les jauges apparaissent, cela signifie que la tablette est connectée. Appuyez sur OK pour continuer. Puis, démarrez le véhicule. Appuyez sur OK pour débuter le nettoyage. La durée du lavage varie en fonction du kilométrage du véhicule. À la fin du lavage, la vidange carter débute automatiquement. Coupez le moteur à la fin de la vidange du carter lorsque la tablette l'indique. C'est indiqué par le petit picto en bas à gauche. Appuyez sur OK pour continuer.